Après un long week-end de répit, les candidats au bac retrouveront les salles d'examen dès demain. Après la philo, place aux autres épreuves. Et certains ont choisi l'option théâtre. Mais avant l'écrit et l'oral, des élèves du lycée du Taonais se sont retrouvés au pied des falaises du Tahara. Là, en pleine nature, ils ont offert un spectacle original de Shakespeare à Edward Bond, des grands auteurs interprétés par des élèves motivés. Sibel Wisniewski, Jiluko. Pour les 14 élèves de terminale, le théâtre, c'est Coef6. Alors pour eux ce soir, c'est un avant-goût des épreuves du bac, une dernière occasion d'affronter un vrai public. Ici, pas de fantaisie, un programme national impose le choix des auteurs. Vous allez jouer quoi là ? Une tragédie. On va dire, ouais. Une pièce de guerre de Bond. Voilà. Si vous connaissez. D'où le maquillage. Voilà, oui, le maquillage. Funeste. On est censé dire escapé, on est belle. À raison de 5 heures par semaine, les élèves ont travaillé et investi leurs personnages, de véritables tragédiens. Nous les avons appelés la voix de la mort. Notre jeu, c'est en fait de montrer un peu l'absurdité des hommes, surtout les hommes d'État. Et les politiciens qui ordonnent les guerres. Des politiciens de pierre, des officiers de pierre se pencher sur les cadres des villes qu'ils avaient réduites en poussière. C'est ça, il y a un message pas derrière. Sur le papier blanc. Une fierté d'abord de voir de jeunes Polynésiens et Polynésiennes s'exprimer comme ça dans une pièce de théâtre. Que les avocats pour négocier avec les managers des morts. Ça fait pas mal de travail collectif, de travail de cœur, beaucoup de travail physique pour incarner le texte. Et je m'attendais à ce que ce soit plus difficile que ça, donc je suis très content de ce qu'ils ont réussi à faire. Hein. Qui l'ont-ils ? Les morts ! Début des épreuves du bac après-demain, en espérant l'ouverture peut-être un jour d'un atelier théâtre à l'université cette fois.